Et on continue notre grande aventure avec la petite souris Stuart Little. Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTof et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie sur la Let's Play de Stuart Little 2 sur PlayStation 1. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, nous avons fait le tutoriel, nous avons également fait le premier niveau, le rez-de-chaussée. Et aujourd'hui, on va enchaîner et on commence tout de suite avec le niveau 2, Central Park. C'est parti. Comme d'habitude, je ne vous montre pas les cinématiques, puisque les cinématiques viennent directement du vrai film. Et on est parti donc pour ce niveau 2. Alors niveau 2, donc évidemment, je vous montre l'inventaire, évidemment, ça ne change pas. Hein. Il y a toujours 6 dés à récupérer, 80 biscuits pour chat, la clé en or, le clap, et les 6 bagues en dessous. Mais évidemment, vous le voyez ici, que les petits mini-jeux changent, puisque dans le premier niveau du rez-de-chaussée, on avait le mini-jeu de l'avion et du chariot. Là, cette fois-ci, ça sera avec des chaussures de course et un petit hors-bord. Allez, let's go, c'est parti. Alors, comme je l'ai dit, je ne sais pas si je vais faire un seul niveau ou deux niveaux pour cet épisode. Tout va dépendre de mon avancée. Si je fais le niveau assez rapidement, peut-être qu'on fera deux épisodes. Enfin, deux niveaux, pardon. Et puis, si je suis un peu plus lent, bah, on fera un niveau dans cet épisode. Oui, oui, la guêpe m'a envoyé un projectile. Tout va bien. Donc, ici, on a récupéré le premier dé. Alors ici on va monter sur la sur le râteau. Ah, j'en étais sûr que ça n'allait pas passer. Je le savais. Alors les musiques sont sympas, je trouve, là vous l'entendez, je vais peut-être me taire un petit peu. Mais franchement je trouve que les musiques sont assez sympas, vraiment. Alors ici on a le bouton ici sur le coffre à outils là. Voilà, qui va me permettre ici de faire monter les blocs de sable. Il y avait rien derrière, hein? Non. Tu peux avancer s'il te plaît, mon cher Stuart, merci. Non, faut monter, faut monter, faut monter. Hop, donc là ici ce sera pour récupérer ici, la valise dorée, mais pour l'instant je n'ai pas encore la clé. Donc ça ne sert à rien que je vais là pour le moment. Hop, deuxième dé récupéré. Il en reste 4. Allez, on enchaîne. Hop, on va aller en dessous. Hop, vas-y. Hop. Pam, 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 pam. Ok, on a déjà récupéré le quart des friandises, ça c'est bien. Vas-y, on peut enchaîner avec la suite du parc en allant là-haut. Il y a un corbeau qui me suit. C'est moche. Alors ici vous voyez une espèce de gouvernail, c'est pour le mini-jeu du hors-bord. Youhou ! Un hors-bord, Stuart ! Il faut que tu essayes ça. Donc ici, but du jeu, c'est de récupérer ici... pardon, de faire 4 tours de piste, je vais y arriver. Et tout cela en 30 secondes max, mais vous voyez ici qu'on récupère des chronos qui se trouvent ici et là. Alors je vous avoue, le hors-bord, c'est pas très maniable. Voilà. Par contre, si je récupère pas les chronos, ça va pas le faire. Ok, deuxième tour. Oh la vache. Oh lolo, oh lolo. Mon dieu, le râteau. T'as même le timer, il est pas très visible, je trouve. Je trouve qu'on a du mal à lire. Alors pour vous, je pense que ça, le chrono, ça va être infâme, je pense. Mais bon. Allez, troisième tour. Donc les tours symbolisés par l'arc-en-ciel, hein, si vous n'avez pas compris. Hop. Bon, normalement c'est gagné, hein, il me reste une minute. Normalement une minute pour faire
deux tours, ça devrait être bon. Allez, dernier tour. Bon, j'ai une minute pour faire le dernier tour, normalement ça devrait être bon. Hein. Même si je ramasse aucune horloge, ça devrait être gagné sans problème. Hein. Parfait. Fantastique, Stuart. Je comprends que tu aies gagné la régate de l'an dernier. Cet exploit te rapporte une bague. Voilà, donc la régate, petit clin d'œil au premier film. Ouais, Stuart, tu as récupéré une autre bague. À gauche ou à droite, je sais plus. Ah, alors là, ici, vous voyez ici la gamelle de Snowbell. Hein. Quand on aura tous les biscuits. Toi, tu dégages, merci. Toi aussi. Est-ce qu'il y a des choses en dessous, là? Oui. Hein. Comment je monte, par contre? Je peux pas monter? Attends, si, je peux monter, normalement. Il y a la clé, là-bas. Comment je monte? Ah, c'est par là-haut, mais je peux pas monter. Si? Non, je peux pas monter. Bah, merde. Comment je monte là-haut, moi? Ah, c'est avec ça, je crois. Non, reste en haut, s'il te plaît. Voilà, merci. Vas-y, descends. Hop. Vas-y, tu peux passer là. Vas-y, descends. Hop. Vas-y, là, pareil. Hop. Voilà, là, tu peux sauter là-haut. Hop, hop. Ah oui, c'est vrai que tu peux monter là-haut. La valise bleue, je m'en fous. Je suis full vie ou pas? J'ai un doute. Attendez. Non, j'étais pas full vie. Hein. Non, je suis même à 4 points de vie. Donc je peux encore ramasser une glace si besoin. Hop. Là, ici. Petit dé. Je vous en fais 3. Bravo, tu as trouvé un dé. Il nous restera 3 à choper. Alors, ensuite. Ah oui, c'est vrai que le clap est là-dedans. Alors attendez, le clap, on va le choper tout de suite. Non, vas-y, vas-y, monte. Monte, 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 monte. Alors, pour le clap. Pour le clap, il faut pas se foirer là-dessus avec le saut. Voilà, c'est bon. Tu as récupéré le clap et déverrouillé une séquence vidéo dans la galerie. Ok, c'est bon pour le clap. Oh, tiens, j'ai oublié un biscuit là. J'ai oublié un petit biscuit. Voilà, c'est bon. Vas-y, tu peux remonter là. Merci. Hop. Alors, par contre, ici. Est-ce que c'est de là qu'on... Oui, je crois que c'est de là. Vas-y, descends. Peut-être pas. Oh, je sais plus. Donc ici, petite vie. Tu peux la récupérer quand même. Voilà. Merci. Ah oui, c'est de là qu'il faut descendre. Ça me revient. Par contre, ici... Vas-y, descends. Par contre, je crois pas qu'il peut remonter, hein. J'ai un doute. Non, il peut pas. Il peut pas, il va falloir que je refasse un petit demi-tour. C'est un point très grave, on y retourne de suite. Vas-y, descends. Ah, mais ça, je peux monter aussi par les escaliers, attendez. Aïe, ça a peut-être fourmi. Il suffit de picousse par une fourmi. Hop. Allez, vas-y, grimpe. Hop, 38. 39. Hop, parfait. Tiens, vas-y, descends là. Hop. Comme ça, on va aller chercher la clé dorée là-bas. Comme ça, on pourra ouvrir la valise. Hop, là, parfait. Très bien. Alors, ensuite. Ensuite. On va aller chercher le biscuit là qui reste sur le toboggan. Et après, on ira de l'autre côté. Voilà, très bien. 43. Allez, encore 17 biscuits. Et on pourra apporter tout ça à Snowbell. Allez, vas-y, avance. Attention aux insectes.
Allez, chope-moi ça, très bien. 45, 46, 47. Le petit dé, je prends. Ce qui nous en fait 4, il en reste 2. Bravo, Stuart, tu as trouvé un dé. Ouais, la valise, je veux bien, puisque je ne suis pas full vie. Hop là, parfait. Vas-y, tu peux avancer. Hop. Hop. Hop, là on va remonter tranquillement. Vas-y. Hop là, vas-y, monte là-haut. Alors j'espère par contre que je m'éparpille pas trop parce que sinon je risque d'être perdu après. Hein. Hop. Toi tu dégages, merci. Là tu peux monter en haut du banc. Là attention à ne pas tomber, ce serait de comble. Voilà, parfait. Alors ici. Voilà, se trouve encore un dé, ce qui nous en fait 5, il nous en reste 1. Bravo, Stuart, tu as trouvé un dé. Ouais, là ici on va pouvoir se laisser glisser. Oui, j'ai réussi. J'ai récupéré assez de biscuits pour chaque bourse Nobel. Mais où est cette gamelle déjà? T'inquiète pas, je sais où elle est. Là ici on a la bague cachée. Oui, je crois pas que tu dois aimer le rhum, mon cher Stuart. Mais bon, bref. Allez, on va aller chercher la bague qui se trouve ici avec la gamelle et les 60 biscuits. Parfait. Appelle-moi Super Stuart. Il ne me manque plus qu'une bague pour ouvrir le niveau suivant. Et bien, la dernière bague, on va aller la chercher de suite avec le coffre doré. Laisse-moi tranquille, les insectes. Laissez le petit rongeur tranquille. Hop là, parfait. Félicitations, Stuart. Tu as récupéré suffisamment de bijoux pour accéder au niveau suivant. Très bien. Parfait. Alors, ensuite, vas-y, tu peux monter. Hop, tu peux encore monter. Voilà, très bien. Alors ici, bon, on va enchaîner là-bas, hein, tranquillement. Hop là. Oui, je tue les fourmis, moi. Est-ce que j'avais raté quelque chose ici? J'ai un doute. Non. Oh, sérieusement. Saleté, ben. Alors là, il y a une valise verte. Bon, je m'en fous un peu. Je suis à 4 points de vie, normalement, ça devrait aller. Je devrais pas crever. Petit checkpoint, je prends cas où. Ah! La course, c'est ici avec l'espèce de sauterelle. On va y aller de suite. Tiens, d'abord, je vais récupérer ça. Hop, et on y va pour ce passage-là. Hé, hey, la vie est une aventure. Mais si ça ne te suffit pas, va faire la course avec cet insecte. Si tu gagnes, tu recevras une bague en guise de récompense. Je dis une sauterelle, mais c'est plutôt un grillon, un criquet. Donc, but du jeu pour moi, bah, c'est de battre le grillon à la course. Voilà, tout simplement. Oh, finesse, par contre, je le contrôle mal, là, le Stuart. On dirait que je suis bourré. Alors que je ne le suis pas. Tu peux rester droit, Stuart, s'il te plaît. Merci. Oh, mais oh, tu vas pas me doubler comme ça, non mais. Ah, l'arrivée est ici avec les dents de lion, là, voilà. Waouh, Stuart, tu lui as vraiment fait mordre la poussière. Parfait. Et voilà ma bague. Il en reste une, c'est la bague des dés. La bague des dés. Alors 67, 68, j'espère pas avoir raté de biscuits. Alors 69, 4, 70, pardon, 71, 72. Il n'y en avait pas en dessous, hein, non. Vas-y, enchaîne là-bas. 73.
Oh, oh, t'as failli me toucher. 74-75, 76-77, 78. Et je crois que les deux derniers sont autour de la fontaine. Avec les dés. Génial! C'était le dernier dé. Je peux maintenant les suivre pour récupérer une bague. Et ben on va les suivre de suite. Allons-y. Ouais, c'est ça, les deux derniers sont là-bas. Couchez le corbeau. Voilà, on a les 80 biscuits. Je n'ai plus qu'à aller chercher ma bague. Ok, je regarde mon chrono. Bon, on n'est même pas à 20 minutes. Je pense qu'on aura le temps de faire le niveau 3. Allez, ramasse-moi ça. Merci. Snowbell, il était là, avec la patte. Ai-je envie d'aller voir mon vieux copain Snowbell ? Allons-y. Non, pas de sauvegarde, merci. Cinématique, on la passe, puisque ça fait partie du film. Et puis, bah écoutez, bah, on va partir direction bah, le niveau 3, l'étage. C'est parti. Voilà, je vous passe le temps de chargement, comme ça on est tranquille. Alors, ici, à l'étage. Alors là, ici, vous voyez déjà la gamelle qui se trouve là. Et là, ici, bah, il y a déjà le premier mini-jeu. Hé, hey, Stuart, ça a l'air difficile. Je serais très impressionné si tu réussissais ce défi. Et bah, le défi, on va les faire de suite. Alors, c'est exactement le même défi que lors du premier niveau. Voilà, il faut juste récupérer des étoiles pour pouvoir avancer. Voilà, merci. Et là, ici, vous voyez qu'il y a 9 tronçons à faire. Hein. Bam, bananam, bananam, bam, bam. Balabalabalabam. Hop, 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 hop. Très bien. Allez, avant-dernier tronçon. J'ai raté le premier, magnifique. Bon, ça va. Heureusement que c'est passé. Sinon, j'aurais dû tout me retaper. Pas de biscuits ici. Je vais quand même vous montrer ici l'inventaire, bien sûr. Hein, voilà, donc là, ici, les deux défis, ce sera la course qu'on a fait ainsi qu'un truc de ballon. Vous allez voir ça un petit peu plus tard. Petit checkpoint. Je prends le checkpoint. J'y prends le checkpoint. Hop. Hop. Vas-y, prends le ballon. Alors le ballon, je sais plus où est-ce qu'il va m'emmener, mais il va m'emmener juste ici. Avec ici l'endroit où se trouve le premier dé. Bravo Stuart, tu as trouvé un dé. Voilà, vous voyez que la bague est tout en haut sur l'horloge. Hein. Non, non, tu peux voir. Ah, je voulais pas descendre en bas. Pas grave, tant pis. Hop. Toum, 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 toum. Hop. Hop. Bon, la valise rouge, bon, je vais la prendre quand même si j'en ai pas besoin. Parce que là, ici, ça me donne carrément une vie supplémentaire, ce qui nous en fait 9. Je pense qu'on est bien là niveau vie, je pense. Hein. Je pense qu'on est pas trop mal. Ah bah tiens, le deuxième défi, il est juste ici, on va le faire. Tu vas devoir être aussi rapide que l'éclair pour relever ce défi, si tu veux. Donc, but pour moi, ici, ça va être d'essayer d'atteindre 500 points. Pour ce faire, il faut que je touche les ballons qui se trouvent ici et là. Voilà, vous voyez ici, il y a des ballons. J'ai tir illimité. Et le but pour moi, bah, ça va être de ramasser donc 500 points, comme je l'ai dit.
Alors par contre, attention, puisqu'il peut y avoir des insectes, voilà, qui peuvent sortir de ces trous. Et si jamais un insecte me touche, je perdrai des points. Sachant que la couleur des ballons correspond à un certain nombre de points. Et pareil pour les items qui se trouvent ici et là, ça donne des points. Donc les ballons bleus ici c'est 5 points, les roses c'est 10 points, les verts c'est 20 points. Et idem pour les trucs qui se trouvent ici et là. Donc ici l'avion en papier c'est 25 points, le ballon de foot c'est 20 points. Et vous avez vu aussi des ballons jaunes qui me rajoutent du temps supplémentaire. Et je crois que les ennemis s'ils nous touchent, je crois que c'est moins 15, hein, je crois. Si j'ai bonne mémoire. Allez, encore 50 points à choper. Ok, petit bonus temps. 4,90. Et 500, parfait. Bravo, Stuart. Tu as réussi à marquer suffisamment de points pour gagner une bague. Et ça, c'est pour moi. Alors d'ailleurs, vous l'avez peut-être vu aussi, mais les projectiles qu'on balance sont différents selon le niveau. Là, vous voyez qu'on balance des espèces de Lego. Alors que dans le niveau précédent, on balançait des espèces de myrtilles. Bon, voilà, c'est un petit détail, mais c'est sympa à dire. C'est un bon petit détail. Hop, ici, on a un petit bouton. Vous allez voir ce que le bouton va me faire. Le bouton va juste ici ouvrir la commode qui se trouve là-bas. Parfait. Alors, ensuite... Vas-y, on va y aller. Non, descends, mon cher Stuart. C'est là que tu dois te rendre. Sur la commode. Allez, vas-y. Monte. Alors, ici se trouve... Hop là, mon deuxième dé. Parfait, je te remercie. Oula, ça monte. Hop. Oh, vas-y, Stuart. Oui, c'est bien, mais là, c'est en bas que je veux aller. C'est ça que je veux, voilà. Merci. Vas-y, prends-moi le petit checkpoint quand même, on sait jamais. Oh, bah, il y en a même un autre là. Petit coup lol. Ouf. J'ai vu que j'allais me foirer. Mais non, c'est bon. Alors là, ici, ça va être un petit passage chiant, vous allez voir. Parce que là, le but pour moi, ça va être de traverser ici le rebord de la salle de bain. Mais pour ce faire, voilà, il faut pas que je me foire là. Et il s'est foiré, évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc là, je vais devoir tout me retaper. Oh, fait chier. Bon, c'est pas grave, tant pis. Alors, 22. Par contre, je ne vois que dalle. Voilà, merci. Il y a une souris dans la baignoire. Hop, 24. 25. 26, 27. Alors là, vous voyez ici le clap sur l'éponge. Hop là, très bien. Génial, Stuart. Tu as récupéré le clap et déverrouillé une séquence vidéo dans la galerie. Ok, parfait. Alors là, on est à combien? À 29. 30, 31, 32. Hop. Parfait. Il n'y avait rien là-bas, hein. Non. Hop, hop. Hop, hop. Très bien. Alors là, si vous voyez la valise dorée, mais pour l'instant, je n'ai pas la clé. Ok, nous arrivons à la moitié des biscuits, ça c'est bien. C'est une bonne chose. Attends, il y avait un truc sur le radiateur là, oui. Ce serait bien quand même de tout choper, quoi. Hop là, très bien. 46. Tu peux sortir de là et aller là-bas au fond. Hop, vas-y, tu peux monter et passer ici. Non, vas-y, allez! Tu peux monter, s'il te plaît? Merci.
Ouais, la valise là-bas, je m'en fous un peu. On va récupérer le dé qui se trouve là. Ce qui nous en fait 3. Il nous reste 3. Par contre, ouais, j'ai raté un biscuit, je crois. Oui. Voilà, très bien. Vas-y, tu peux descendre. Hop, et on va enchaîner avec la suite. Vas-y. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas fait encore? Là-bas. Ici, là. Là. La chambre. Alors, la chambre. Hop. Allez, vas-y. On vient de passer le 50, c'est très bien. Hop. Vas-y, grimpe. 54, 55. La clé, elle est ici. Toi couché, hein. Aïe. C'est pas sympa, ça. Hop là, nouveau dé, ce qui nous en fait 4, il en reste 2. Bravo, tu as trouvé un dé. Hop là, très bien. Hop. Rien ici, hein. Non, vas-y, tu peux. Non. Donne-moi ça. Bon, mais... Suffit. Donc ici, un cœur de plus, on passe à 10 vies. Oh, c'est bon, hein. J'ai récupéré assez de biscuits pour chaque... Couché. Mais où est cette gamelle, déjà? Non, mais... Alors, ici, ouais, tu peux continuer à monter. Donc là, ici, c'est pour atteindre le haut du lit. Le haut du lit. Le haut du lit, le haut du lit. Hop. Allez, grimpe. Parfait. Hop. Alors ici, ouais, ici c'est pour là. Allez. Hop là, stop. On ira chercher le reste après. Vas-y, grimpe. Hop, hop, 69. Voilà, parce que là-bas se trouve... Hop là, très bien. Parce qu'ici se trouve encore un dé. Hop. Ce qui nous en fait 5, il en reste 1. Alors par contre, le problème, c'est que là, je vais devoir remonter tout en haut. Évidemment, je me suis foiré. Ça aurait été trop beau. Allez, vas-y, grimpe. Grimpe tout en haut, s'il te plaît, mon bon ami. Ah, très bien. Vas-y, tu peux... Hop là, parfait. Là, je me laisse aller tranquillement. Très bien. Là, ici, on va pouvoir prendre le ballon. Ce qui va nous emmener en haut de l'étagère. Là où se trouve la bague cachée. J'ai trouvé la bague cachée. Quel travail, toutes ces explorations. Mais il ne me manque plus qu'une bague pour ouvrir le niveau suivant. Parfait. Mais c'est très bien, ça. Non, descend. Voilà. 78. Alors, où sont les dernières? Je crois que les dernières se trouvent à l'endroit où j'ai raté tout à l'heure la salle de bain, je crois. Donc on va vite y retourner. La valise dorée, elle était où déjà? Attendez, j'ai un petit trou de mémoire là. Où elle était la valise dorée là? Mince, où elle était? Non, elle était de l'autre côté, je crois. Elle était dans la salle de bain. Il me semble. Ouais, là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ah, c'est pas grave. Ouais, ici, il n'y a rien. Il n'y a rien ici. Je voulais être sûr de mon coup. Vas-y, grimpe. Grimpe, grimpe, grimpe. Hop là, très bien. Ok, checkpoint. Bon. Ici, on va retenter notre chance. Oui, elle était là-bas, hein, je crois, là, la valise dorée. Hein. Si j'ai bonne mémoire. Allez, vas-y. Ouais, c'est bon. Il va me manquer un biscuit, c'est pas vrai. Je n'y crois pas. Génial. C'était le dernier dé. Je peux maintenant les suivre pour récupérer une balle. Oh, c'est pas possible. J'ai raté un biscuit. Mais où est-ce qu'il est, ce dernier biscuit que j'ai loupé? Nom de Dieu.
Ah bah il est là. Ah bah c'est bon, on a tout. Au moins on a tout. Voilà, parfait. Au moins on a tout, ça c'est bon. Donc je n'ai plus qu'à aller chercher la bague de la valise dorée qui est là et la bague de l'horloge. Parfait, impeccable. Bon bah écoutez, temps d'aller chercher cette bague et puis on va pouvoir s'arrêter là. Oh génial. Du retracing. Chose qu'on n'a plus aujourd'hui. Au moins on se voit dans le miroir, ça c'est bien. Certains jeux d'aujourd'hui, excusez-moi, mais voilà. Ah mais c'est vrai qu'on n'a pas récupéré la bague de Snowball aussi. Faut qu'on la récupère. C'est vrai. Bon bah on va la récupérer aussi de suite. Bon bah écoutez, bah c'est parfait, on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode, c'est très très bien. Hop. Ouais, Stuart, tu as récupéré une autre bague. Et la dernière bague est ici, parfait. Impeccable, on a tout. Génial, Stuart, tu as réussi. Niveau à 100%, c'est parfait. On va ainsi pouvoir s'arrêter là pour cet épisode. Voilà, allez, donc c'était top donc pour cette deuxième partie sur Let's Play de Stuart Little 2. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et lors du prochain épisode, pardon, on enchaînera, je pense, avec les deux nouveaux niveaux, donc les égouts et les impasses. Voilà. Et en attendant, bah moi je vous dis... à la prochaine tout le monde. We'll be right back.